blessés et des patients ayant des conditions neurologiques comme les blessés à la moelle épinière, les personnes à fait un AVC, les enfants nés avec paralysie cérébrale ou la maladie génétique. Quand il est arrivé ici, sa main gauche était très prise sur lui, il la déploie, il a même été capable de manger avec sa main gauche depuis qu'on est arrivé ici. Fait que c'est des super acquis pour une famille comme la nôtre, pour un petit bonhomme comme Léo.